Voilà, continue. Allez, regarde où tu vas. Ce samedi matin, pas de grasse matinée pour les enfants. Accompagnés de leurs parents, ils sont plus d'une dizaine à s'être déplacés au centre aqualudique Castalia à Maurepas pour assister à des cours de natation. L'objectif, évaluer leur niveau d'autonomie dans l'eau. Effectivement, à la piscine, y a toujours une crainte quand on tourne le dos, ne serait-ce qu'un instant, de se dire, avant 7 ans ou avant 6 ans, est-ce que tout va bien? Est-ce que j'ai pas été inattentif trop longtemps? C'est le moyen de faire le test et de voir si on peut la laisser un peu en autonomie sans être vraiment derrière elle à 100%, et voilà. Durant l'été 2021, près de 1500 noyades accidentelles ont été recensées en France. Pour ce week-end dédié à la lutte contre la noyade, des maîtres nageurs proposent d'évaluer gratuitement l'autonomie des enfants dans l'eau. Trois tests nationaux sont proposés en fonction de leur niveau. Le pass nautique, c'est niveau vert. Le savoir nager en sécurité, ça va être pour nous le niveau bleu. Et le savoir nager en milieu naturel, ça va être plutôt le niveau rouge. Donc ça permet aussi pour nous, maîtres nageurs, de savoir en septembre leur niveau de base et pouvoir progresser et les faire avancer justement dans l'objectif vers un niveau rouge et vers une natation correcte. Sauter, nager la tête sous l'eau, rester immobile, toute une panoplie de tests sont pensés par les maîtres nageurs pour évaluer les enfants. C'était bien. J'ai trouvé que je m'étais bien appliquée, que maintenant je sais mieux faire un peu de piscine. J'ai appris les trois de mer. J'ai nagé jusqu'au bout et j'ai mis la tête sous l'eau en passant parce que ça, j'arrivais pas encore. À l'issue de cette séance, chaque enfant repart avec un diplôme et des axes d'amélioration pour être comme un poisson dans l'eau.